and dance to original. Cause Wamala only a single talking baga. Everybody come and dance to original. Cause Wamala only a single talking baga. Anywhere Wamala they love is a yeye wa no wa ho. And that is why it is always powerful. Anytime we sing. Baba no fi seyan le wa lowo boys yan torun. Everybody come and dance to original. Cause Wamala ori ati lu to ki baba. Everybody come and listen to authentic. Cause Wamala ori ati lu to ki baba. Anywhere Baba no ke no fi seyan le wa lowo. That is why it is always power. I want lo soko yin rere o gbetele wa nitori alujo inu gospel apalaye kejo alujo inu gospel apalaye kejo alujo inu gospel apalaye mi yeye as I meditate in the body and night that I may do accordingly. Mon petit-fils arrive. Oui, c'est lui. Mon petit-fils est arrivé. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Mon petit-fils est là. Ma fille aussi est là. Bienvenue à vous. Soyez les bienvenus. Comme je suis contente. C'est lui, mon petit-fils. Oui, maman, c'est lui. Merci, maman. Comment vas-tu? Mon petit-fils. Oui, maman, c'est ça. Bonjour, mémé. Comment tu vas? Allons à l'intérieur. Venez, suivez-moi. Bienvenue encore. Tu es sûr que c'est lui, mon petit-fils? Mais c'est un homme. Oui, maman, je sais. Et toi, comment tu vas? Ah, comme tu le vois, je vais bien. Bonjour, grâce à Dieu. Dieu nous protège. Tout est en ses mains. Comment vas-tu, grand-mère? Bébé, on ne salue pas comme ça. Ok. Regardez, allez, abaisse-toi avant que je ne t'y oblige. Bonsoir, grand-mère. Oui, bonsoir à toi aussi. Tu es devenu un homme maintenant. Il est même plus grand que moi. Vraiment. Ok, alors entrons. Dis-moi, maman, ta santé, ça va? Oui, ça va. Oh, Dieu merci. On y va. On a des bagages dans la voiture. Je peux les prendre sur la tête. Attends que j'arrange mon foulard. Donne-moi ce sac. Celui-là? Donne-le-moi. Mais grand... Non, je dis donne-moi ce sac. Laisse-moi porter celui-là. Regardez-moi. Tu vois? Je vais à l'école. La nouvelle écolière. Venez. Oui, maman. Allez, rentrons. Je suis contente de vous voir. Mon petit-fils, viens, entre. Merci. Oh, maman, ta nourriture est trop bonne. Tout ça m'a beaucoup manqué. Merci, merci. Tu sais, aux États-Unis, les plats de chez nous coûtent excessivement cher. Hein? Oui, très cher. Ne t'en fais pas. Je vais faire le marché pour toi avant que tu ne partes. Ok? Je vais acheter plein de choses, de la nourriture. Merci, maman. Mais ma fille. Oui, maman. C'est tout ce que tu vas manger? Ah non, maman, non, 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 non. Si je mange beaucoup, je ne pourrai même plus porter mes habits. Hey. Merci. Vous, les femmes modernes, vous ne pensez qu'à contrôler votre poids. Ah, maman. Laisse-moi te dire un truc. Hein? La beauté d'une femme africaine se trouve dans ses belles formes, ses rondeurs. Ah, ben oui. Tu devrais dire cela à son père. Ah bon? Grand-mère, puis-je avoir des morceaux de viande? Oui, il y en a. Oh, est-ce que tu sais chasser, toi? Tu sais tirer? As-tu déjà utilisé un fusil? Ne t'inquiète pas. Attends, tu aimes les escargots? Sais-tu de quoi elle parle? Bien sûr que oui, je les adore. Je me souviens que grand-mère avait l'habitude de les apporter quand elle venait nous rendre visite. Arrête de parler. Il y en a encore. Tiens, ton assiette. Mais d'abord, je vais t'apporter de la viande. Oh, ok. Merci, il y a de maman. Petits morceaux dans la soupière. Mange-les en attendant. Tu es mon petit-fils. Mange-les en attendant. Merci, grand-mère.
Je vais t'apporter de la viande dans une autre assiette. Merci, maman. Ma fille, il faut que tu manges. Oublie ton poids. Oh, maman, arrête. Ok, je reviens. Je reviens, ok? Oui, maman. La nourriture te plaît? Oui, j'aime bien. Tu veux des oranges? Ça ira. Merci, maman. Maman? Oui? Mais où étais-tu passée? J'étais au salon. J'étais en train de regarder mon journal du soir. Toi et ton journal? Bien sûr. Oh, tu sais quoi? C'est le seul moyen de savoir ce qu'ils sont sur le point de nous vendre dans ce pays. Hé, Oba. Tout va bien? Le vent souffle bien ici, n'est-ce pas? Oui, il y a un très c'est bon vent. C'est comme ça ici chaque soir. Oui, c'est ça. C'est pourquoi j'aime venir ici prendre de l'air. Regarde-le. Bébé, aurais-tu sommeil par hasard? Oui, je crois que je suis fatiguée. Ok, la chambre est déjà prête. Va te coucher. Ok? Bonne nuit, grand-mère. Bonne nuit, non, maman. Non, attends. Il y a de l'eau dans la salle de bain. Tu sais où se trouve la salle de bain? Oui, je sais. Ok, alors si tu vas, reste-toi. Verse de l'eau sur ton corps. Tu verras que tu seras très frais et tu pourras bien dormir. Ok. Allez, bonne nuit à vous. Bonne nuit à toi aussi, Oba. Oui, comment se porte Adjenon? Oh, ben, j'ai appris qu'il a pris beaucoup d'argent et qu'il a fui. Est-ce que tu connais Baba Rafiou, le mécanicien? Le fils du soudeur? Oui, c'est bien lui. Il a volé son père. Non, ce n'est pas croyable. Hé hey. Combien? Il a pris 2000 naira. Juste 2000 naira? Oui. Il est très mauvais. Très mauvais. Qu'est-ce qui se grand-mère, passe? Grand-mère, je crois que je viens à peine de voir quelqu'un dans la maison. Oh, c'est Monique. C'est ma fille, oh. Elle et moi, nous avons l'habitude de suivre le journal télévisé ensemble. Ah, ok. Ok. Bonne nuit, alors. Bonne nuit. Dors bien, mon dors bébé. Bien. Donc, tu vois ces 2000 naira là. Tu ne sais pas que lorsque tu les as pris et que tu ne... Hein? Qu'est-ce que tu as? Oui, les 2000. Excuse-moi. Je suis désolée. Laisse les 2000. Qu'est-ce que tu as? Dis-le-moi. C'est quoi le problème? Je t'écoute, okay. Parle-moi. Ah. Es-tu triste? Bonsoir. D'où viens-tu? Réponds-moi. De nulle part. De nulle part? Toi, attends. Tu penses que... Je ne vois pas ce que tu fais, tu penses te cacher. Mais très bientôt, nous allons découvrir absolument tout. Tout le monde verra ce que tu fais. Tu comprends? Je t'ai à l'œil. Viens, entre. Je suis désolée. Allez, dépêche-toi d'entrer. Et sache que je t'ai à l'œil. Fais attention. Tu retournes quand aux États-Unis? Je crois que... peut-être très tôt demain. Ah? Et pourquoi demain? Hé, j'ai cru que tu allais m'accompagner faire du shopping demain matin. Maman, j'aurais aimé, mais... Tu vois, je n'ai pas le choix. Ok, je m'en occupe. Tu as compris? Ne t'en fais pas. Dieu est avec toi. Amen, maman. Sois bénie. Amen. Tu sais, j'ai traversé des situations plus difficiles que celle-là. Ah, calme-toi. D'accord? Oui, maman. Sois courageuse. Ok.
Il faut que tu arrêtes de te lamenter maintenant. Tu as compris? Arrête de pleurer. Allez, suis tes larmes. Ne pleure plus. Oh. Oui, maman. Merci. Merci. D'accord, j'ai compris. Mais arrête de me dire merci. Ah! Mon téléphone. Maman? Je ne vois pas mon téléphone, maman. Maman? Où est mon téléphone? Maman? Où est ma mère? Oh, Baloloua, monsieur l'Américain. Bonjour. Tu sais, à ton âge, on saluait toujours les plus âgés. Bonjour, grand-mère. Où est-ce qu'elle est, ma mère? Elle n'est pas ici. Alors, où est-elle? Elle est allée au marché. Au marché avec mon téléphone. Tu lui demanderas toi-même lorsqu'elle reviendra. Moi, je vais au boulot. Ton petit déjeuner est dans la cuisine. Je t'ai préparé des escargots. Lorsque tu auras faim, tu pourras en manger. Tu as compris? Tu veux que je te ramène quelque chose du marché? Y a-t-il un endroit où je pourrais m'acheter à boire? Quel genre de boisson? Du soda. Soda? Soda? Oui, soda. Du Coca ou du Pepsi. Voilà. Je vais t'acheter du soda. Ne t'inquiète pas, je peux me l'acheter. Juste indique-moi le lieu. Je vais au boulot. Prends soin de la maison. Je reviens. Mais indique-moi le lieu, grand-mère. J'ai dit que je vais t'acheter du soda. Un point, c'est tout. Mais enfin... Et je ne veux pas que tu sortes de la maison. Tu as compris? Tu as compris? Hein? Mon fils, sois relax. Grand-mère revient tout de suite avec ton soda. Prends soin de toi. Fais attention. Je t'ai parlé. À bientôt. Ne sors pas, oh. Ne sors pas de la maison. Cette foutue maison. Il faut qu'elle revienne vite avec mon téléphone.
Allez, maman, décroche ce foutu téléphone. Elle plaisante ou quoi? Nom de Dieu! Qu'est-ce que je suis supposé faire ici? Je vais faire tout le chemin depuis les États-Unis pour venir rester dans ce village. Très drôle. Ah. Mais où es-tu, maman? Purée. Ah! Alors là, je ne retrouve plus mon argent. Mais voyons, que vais-je faire avec tous ces livres? Argent, nom de Dieu. Où est mon argent, nom de Dieu? Elle plaisante ou quoi? Oh, nom de Dieu, j'y crois pas. J'y crois pas. Nom de Dieu! Mais c'est quoi toutes ces bêtises? Et toi là-bas, que diable regardes-tu? Bonsoir, ma fille. Bonsoir, maman. Tu vas bien? Oui, ça va. Dieu merci.
Oh, Baloulua! Où est-ce que tu vas? Viens! Viens, je dis! Approche, approche! Allez, viens! Hey. Que fais-tu ici? Hein? Je t'avais dit que je ne voulais pas te voir hors de la maison. Non, non, grand-mère, on n'a jamais eu un tel accord. C'était ton idée. Où se trouve ma maman? Ok, viens. Rentrons pour en discuter. Mais enfin, grand-mère, non. Je veux juste savoir où se trouve ma mère. Alors, où est-elle? Eh bien, je ne vais pas m'arrêter dans la rue ou discuter des histoires familiales. Je suis fatiguée. Alors, où est-ce qu'elle est? D'abord, voici ton soda. J'en veux pas de cette connerie. Dis-moi juste où est ma mère. Ensuite, que cela soit la toute dernière fois, tu as compris? Que ce soit la dernière fois dans ta vie que tu utilises ce genre de langage en ma présence. Ah! Sache que ta mère est retournée en Amérique. Quoi? Que diable viens-tu de me dire, grand-mère? Hein? Ces conneries ne sont pas drôles. Pour qui tu te prends? Ah! Si c'est comme ça que tu parles à tes parents en Amérique, réserve-leur cela. C'est quoi toutes ces bêtises? N'importe quoi. Idiot. Je ne suis pas un idiot. Que dis-tu? Dis-moi. Dis-moi juste où ma mère se trouve. Elle est partie avec mes 222 000 dollars et aussi mon passeport. Alors dis-moi où elle est. Ta mère m'a demandé de te remettre ceci. Ça doit être une plaisanterie, là. Que diable vais-je faire avec 5 000? J'en ai marre de cette plaisanterie. J'ai besoin de mon argent. Il faut que je quitte ce maudit village. Tu veux partir? Vas-y. Voici la porte. Si tu penses que tu es vraiment un homme, ose passer la porte, tu verras. Essaye, tu verras qui je suis. Je te mets au défi. Tu verras vraiment qui je suis. Essaie seulement. Mais non. Quel genre d'enfant es-tu pour ne pas écouter? Lorsqu'on te parle, tu fais les choses comme bon te semble. Je vais te montrer qui je suis. Si tu es un homme, va-t'en. N'importe quoi. Où est-ce que j'ai mis ce stylo? Mon Baloulua.
nourriture est prête. Je n'ai pas faim. Maman, maman, s'il te plaît, décroche. Maman, je sais que tu m'écoutes, alors s'il te plaît, décroche ton téléphone. Parce que je ne sais vraiment par quel genre de leçon tu veux me donner. Je ne sais pas, en m'emmenant dans cet endroit. Alors s'il te plaît, décroche. S'il te plaît, décroche. Pitié, je t'en supplie. Ah, je ne peux pas vivre ici, je ne peux pas. Non, c'est pas possible. Il est difficile de vivre ici. En plus, c'est sale. Il n'y a jamais de lumière. Maman, il n'y a rien de bon dans ce village. Pitié, oh s'il te plaît, décroche. Pitié, maman. Je ne peux vraiment pas supporter. Hein? Maman, je suis désolé. D'accord, je suis désolé. Maman, je suis fatigué. J'en ai marre. Je ne supporte plus ça du tout. Je vais m'en aller. Et rien ne pourra m'arrêter. Je pars et tu ne me reverras plus jamais, je te promets. Non, maman, je plaisantais. Je suis désolé. Maman, c'était un message stupide, pardonne-moi. Je suis désolé, je te promets d'être un bon garçon. Je suis désolé. Maman, décroche et dis-moi quelque chose, s'il te plaît. S'il te plaît, je suis ton fils. Qu'est-ce que tout cela signifie? Qu'est-ce que c'est? Je sais que tu reçois mes messages. Ok? Maintenant, je vais compter jusqu'à 10. Et si tu ne me rappelles pas, je pars d'ici. Je te le promets. Je suis sérieux. Je vais compter jusqu'à 10. Et c'est tout. Elle ne m'appelle pas. Sérieux? Obaloloa! Obaloloa! Le ministre de... Tu ne veux pas venir prendre ton dîner? La sécurité a fait... Ta nourriture est ici. De... Tu pourras manger quand tu auras faim. Mm-hmm. District Dumujan. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Il ne veut pas manger. On verra s'il pourra tenir. Les policiers. Okay. Maman. Assieds-toi dans les fauteuils, ok? Au lieu de toujours t'arrêter comme ça, on dirait un vigile. Ah, merci, maman. Mais je suis bien comme ça. Je préfère être proche de la porte. Au cas où ma maman m'appelait, je pourrais l'entendre comme ça. C'est comme tu veux. Comment a-t-il pu? Ces policiers-là, ce n'est pas la peine. Ils ont apprécié. Ils ne savent même pas faire leur travail. Fait. C'est bien. Bien. Thank you.
Hé, hey, stop! Hé, hey, arrête-toi! Hé, hey. Voilà! Hey. Allez, avance! Non! Avance! Les gars, je ne suis pas un voleur! Alors, mais dis-nous qui tu es! Je ne suis pas un voleur! Ah! Ah! Voleur! Ah. Arrêtez, pitié! Ah. 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 Mais d'où viens-tu? Un voleur! Non, je ne suis pas un voleur! Arrêtez! Je ne suis pas un voleur! Je suis le petit-fils de Maman Ola! Maman Ola? Oui, je suis son petit-fils! Je ne suis pas un voleur! Je suis le petit-fils de Maman Ola! Oui, c'est elle! Ce n'est pas parce qu'on la connaît que tu vas nous échapper! S'il vous plaît, les gars, arrêtez! Je suis désolé, je ne suis pas un voleur! Tu n'es pas un voleur? Non, je ne suis pas un voleur! S'il vous plaît, pitié! Hé! Allez, lève-toi! Avance! Allez! Pousse, voilà. Est-ce que c'est vraiment là? Allez, allez, arrête-toi là! Arrête-toi là! Mais nous sommes déjà chez moi, c'est là! Bonsoir, bonsoir. Maman Ola. Bonsoir. On l'a rencontré dans la rue et on a cru que c'était un voleur. Mais il dit qu'il n'est pas un voleur et qu'il habite ici. Oh. Obaloloua. Mais dis-moi, où est-ce que tu comptais aller à cette heure? Avec ton sac, tu as vu l'heure qu'il est? Tu es muet? Tu essayais donc de t'enfuir? Non. Oh. Merci les enfants. Lâchons-le. Hey. Non, il peut s'enfuir. Non. Hey, je suis fière de vous, les enfants. Pas de quoi, maman. Je vous remercie. Merci. Toi, tu essayais de t'enfuir. Je t'ai pourtant bien dit de ne pas sortir de la maison, mais tu as osé me défier. Hey. Maman, nous pouvons nous occuper de lui. Non, laissez-le. Je vais régler ça. Calmez-vous, ok? Laissez-le moi. Vous voulez vous fatiguer encore plus? Non. Il fait nuit, vous devez rentrer. Alors, entrez. Entrez à la maison. Ok? Une fois encore, merci pour ce que vous avez fait. D'accord, maman. Bonne nuit, et maman. Et toi, passe ici. Tu as eu la chance. On va régler cette affaire. Bonne nuit, maman. Hé. Hey. Donc, tu as osé me défier? Hein? Non, non. Lorsque j'en finirai avec toi, on ne pourra plus te reconnaître. Lorsque ta maman te verra, elle me dira, merci maman, entre. Ah, Obaloloua. Tu as osé me défier. Tu vas m'entendre. Tu as osé me défier. Tu vas m'entendre. Je ne t'ai pas dit, tu ne vas pas sortir. Obaloloua, pour qui est-ce que tu te prends? Pardon, grand-mère. Tu vas m'entendre. Regarde pas, que veux-tu? Maman Ola m'a demandé de te remettre ceci. Qu'est-ce que c'est? Elle dit que c'est ton déjeuner. C'est quoi ce plat? Moi. Alors tu l'as déjà ouvert? Non, c'est toi qui viens de l'ouvrir et j'ai vu. Hé! Hé! C'est quoi ton nom? Monique. Ok, Monique. Monique. Ok, Monique, sais-tu où est-ce que je peux trouver les médicaments pour calmer mes douleurs? Contre la douleur?
Oui, j'ai un peu mal à la tête. Oh, bien. Va à la pharmacie de papa ici. Tu peux en trouver chez lui. Comment je fais pour m'y rendre? Tu descends juste là. Tu prends le carrefour à droite et tu verras papa Izzy. Gain, gain, je t'ai attrapé. Grande sœur Kémy. Oublie, grande sœur Kémy. Alors tu as laissé tout ce que tu faisais pour venir rester avec un homme ici, n'est-ce pas? Ah, salut. Ah, salut. Ah, joli garçon. Salut. Qu'est-ce que tu attends pour te dégager? Tu veux que je te jette par-dessus les escaliers ou quoi? Merci, Moniki, pour la nourriture et l'indication. Merci. Nourriture? Attends, tu veux dire que Moniki vient te donner ce que ma maman cuisine? Excuse-moi, est-ce qu'on se connaît? Moi, c'est Kémy. Moniki est notre servante. Ah, ok. Il faut que j'y aille. Ouais. Et qu'est-ce qui t'est arrivé? Viens. Est-ce qu'on peut remettre ça à plus tard? Parce que je ne suis vraiment pas d'humeur en ce moment. Ok. Je n'habite pas loin de chez toi, alors on peut se voir à tout moment. Ok. À plus tard. Ok. J'ai compris. Ouais. Moniki! Moniki! Oui, je te dis, mon frère. Est-ce que tu as vu ce qui s'est passé? Il fallait être là. Ah bon? Oui. Tout le monde me regardait comme ça. J'étais devenu le héros du village. Non, arrête. C'est impossible. Mais attends. Hey, voici le gars dont je parlais. Quel gars, ça? Je t'avais dit qu'il y avait un gars qui... L'Américain? Hey, toi, arrête-toi. Passe là, mets-toi ici. Oui, c'est lui. Il faut l'effrayer. Hey! Tu vois ce que tu portes là? Oui. C'est joli. Très joli. Vas-y, enlève tout. C'est quoi ces bêtises? Hey! Attends. Toi, allez, va lui montrer ce que tu veux. Tiens mon chapeau. C'est ça. Montre-lui qui tu es. Hey! Que penses-tu faire, mec? Hey! Arrête! Hey! On est juste en train de plaisanter, oh! Arrête! On plaisantait! S'il te plaît, laisse-le. Il ne sait même pas ce qu'il fait. Qu'est-ce qui me garantit que si je le laisse filer, vous n'allez pas faire quelque chose? Hein? Dites-moi. T'inquiète pas. On ne va rien faire. Il ne sait même pas ce qu'il fait. Qu'est-ce que tu racontes? Et toi? Moi, je ne vais rien faire, je t'assure. Ok, je vois. Mon frère, calme-toi, s'il te plaît, Bardo. Ne lui fais pas de mal. S'il me tue. Ouais. Je ne peux pas vous faire confiance. Hey, non, non, mon ami, s'il te plaît. On est juste en train de plaisanter. Tu es notre frère, parlons d'homme à homme. S'il te plaît. Ok, je vais le laisser partir. Mais je vais vous déformer le visage si vous me faites un sale coup. Non. Hey. Non, personne ne te fera de sale coup. Non, 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 non. Dégage. Est-ce que tout va bien? Non, non. Ah, mon frère, on dirait que tu n'aimes pas les plaisanteries. Ah! Quelle chaleur! Ah. Mais on ne t'avait jamais vu ici auparavant, hein? Oui, je suis le petit-fils de Maman Ola. Je suis là depuis quelques jours. Maman Ola? Oui, à la Djouin. Ah! Maman Ola Djouin? Ah! Hey. Mon frère, tu vois, c'est Dieu qui nous a sauvés. Ta grand-mère, là, c'est un militaire, un terroriste, une vieille très stricte. Vous avez raison. Ah! Ola! Ouais! Je nous comprends pourquoi il voulait te tuer. Bref, je m'appelle Eze. Je suis comme un guérisseur, je vends des médicaments. Eze le dur. Et lui, c'est... Femo, moi, c'est Femi. Oui. Oui. Alors, c'est Izzy et Femi. Non, non, ce n'est pas Izzy, Eze. Oh, peu importe. J'aimerais savoir, est-ce que tu... Est-ce que tu peux... si oui, on connaît des endroits où tu peux en avoir. Ok, d'accord. Ah, c'est où? C'est juste là. Allons-y. Viens, suis-nous. C'est on par là, allons-y. Tu verras. Allons-y. Tu vas t'éclater. Suis-nous. Oh, les mecs, où est-ce que vous m'emmenez? Mon frère, allons-y. Arrête avec tes questions, hein? Suis-nous. Il n'est pas là. Obaloluwa, mon fils. Oh. Je vais voir s'il est là.
Je suis de retour. Oh. Regarde comme il dort. Dors bien. Je sens que tu es fatigué. Ça va aller. Repose-toi. Je suis fatiguée. Ah. Ah. Je n'ai pas vraiment faim. Obaloloua. Oui, grand-mère. Où es-tu? Je suis ici. Viens ici tout de suite. J'arrive. Mais où es-tu, Oba? Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, en fait, j'étais en train de... En fait, je suis venu prendre un peu d'air. Je voulais faire la lessive, mais il n'y a pas d'eau. Hein? Ouais. Attends, tu dis quoi? Et qui attends-tu pour aller te chercher de l'eau? Dépêche-toi de prendre le bidon et d'aller chercher de l'eau au marigot, au lieu de rester là à dire il n'y a pas d'eau. Hé! Ah, oui, d'accord, c'est compris, grand-mère. Je vais le faire. J'arrive. N'y mets pas trop de temps, oh. Tu as compris? Oui, grand-mère. Hé! Hey! Oh! Si je savais que tu venais, on viendrait ensemble. Écoute, je ne veux pas de problème. Je veux juste aller au marigot et puiser mon eau. Oh! Quel problème? On m'a interdit de m'approcher de toi. Kémy a raconté des choses à ma tante et ma tante dit qu'elle me tuera si elle me voit avec toi. Oh! Qui est ta tante? La mère de Kémy. Waouh! Ok. Eh bien, je voulais que tu m'indiques le marigot, car je ne sais pas où c'est. Si je ne ramène pas de l'eau, ma grand-mère me tuera. Elle est sévère. Je te le dis. Je ne savais pas que maman Oula avait une fille qui pouvait avoir un si grand garçon. Ouais, eh bien, en réalité, elle n'est pas ma grand-mère. Elle est la sœur à ma grand-mère. Mais c'est tout comme si elle l'était. Oh. Mais toi, dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici au village? Je t'avais dit que tu partais au marigot. On en reparle une autre fois. Ça, c'est la mauvaise voie. Oh! C'est plutôt devant toi. Ok, merci beaucoup. Hein? Viens. Oh. Relève ton pantalon. Tu vas te mouiller. Tu as raison. Ça a été une décision prise sur le champ, donc. Sur le champ? Explique-moi. Ça veut dire que je n'avais pas planifié cela jusqu'à ce que je te vois. Ah, d'accord. C'était une décision prise sur le champ. Ouais. Viens, on ira à l'endroit où l'eau n'a pas été salie. Là-bas. Ok. Tout va bien? Ah. Doucement. Oh.
Attention, hein. Est-ce que tu vas bien? Vous faites cela tout le temps? Oui, toujours. C'est intéressant. Ah bon? Mmh. Qu'est-ce qui est intéressant ici? Tu es dans l'eau. Ok. Ok. Viens, c'est ici. Faites doucement. On y va? Oui, oui. Mais non, comme ça. Ok. Attends, ce n'est même pas encore rempli. Place bien le bidon. Je ne pense pas pouvoir transporter si c'est trop rempli. Tu pourras transporter. Ok, on verra. Non. Mais attends, je peux le faire. Ouais, ça va. Aide-moi, s'il te plaît. Vite. Ok. Allez, les deux mains, les deux mains. Le bidon va tomber. Ah, laisse tomber le bidon dans l'eau. Ok. Oui. Je suis désolé. Excuse-moi. Ok. Ça va? Oui. T'es sûr? Oui. Bien. Ok. Prends ton bidon maintenant. On y va? Hé, hey, mon petit-fils est arrivé. Oh. Du courage. Ça va? Ce n'est pas du tout facile. Ça va aller, ok? Tu es devenu comme les Blancs. Je sais que tu es fatigué. Va te reposer. Je t'ai fait à manger. Ton plat préféré. Ça va aller, ok? Je suis en train de fatiguer mon petit-fils. Oh, bah. Oui, ma fille, parle-moi. Je t'écoute maintenant. En fait, je suis venue te donner ceci. Pour ne pas que je dépense. Tu sais que j'étais allée en ville pour écouler mes marchandises. Oui, c'est vrai. C'est la raison pour laquelle je ne te voyais pas dans ton magasin ces dernières semaines. Exactement. Je vois que tu as doublé ta contribution. Les choses ont vraiment marché. Oh, Dieu merci. Merci, maman, d'avoir eu confiance en moi. Ah, ne me remercie pas. Tu as compris? Attends que j'écrive ton nom dans le cahier. Ok, maman. Je ne dois pas me tromper. Adjoké à la show. Voilà, c'est tout. J'ai bien écrit ton nom. Est-ce que mon petit-fils est là? Oui, grand-mère. Comment tu vas? Je vais bien. Ah. Tu manges de la cola? J'essaie. Tu en as encore? Non, c'est juste une seule. J'ai remarqué que tu n'avais pas apporté beaucoup d'habits quand tu venais. Alors, je suis allée voir Moulistar. Et je t'ai apporté quelques chemises. J'ai même apporté un peu de tabac. Ça, c'est à moi. Non, ne t'inquiète pas, je ne vais pas l'essayer. Tu ne veux pas l'essayer? Vas-y, goûte, c'est non, bon. Non, non, ça va. Tu refuses ceci? Oui, ça va. Ah, ok. Ces modèles viennent du styliste Moulistar, qu'on a ici dans notre village. Oh, il est très fort. Je te parle du styliste du village. Oui, oui, je vois, grand-mère. C'est vraiment très beau. Tu sais, ce sont des choses comme ça qu'on recherche aux États-Unis. Oui, les chemises en pagne sont très rares aux États-Unis. Et aussi très chères. Ah, tu vois? Remercie Dieu. Je suis contente que ça te plaise. Ouais. Alors, tu vois, parfois tu peux... En réalité, j'aime pas le jaune, mais j'aime bien celui-ci. Hein? Oui. Le jaune est une bonne couleur pour les noirs. Ok. Les personnes bien noires comme nous. Regarde, celle-là. Vérifie pour voir si ça te sied. Moi, je t'ai juste décrit. J'ai l'impression que celle-ci est un peu trop petite. Ouais, elle est un peu petite, mais ça va. Moulistar. Ouais, merci beaucoup. Ah, je t'en prie, mon petit-fils.
Ok. Apporte-moi de l'eau à boire, j'ai un peu soif. Va voir dans le Canari. Là-bas, c'est encore plus frais. Bien glacé. Ok. Nous, on ne boit plus de l'eau du réfrigérateur à notre âge. Back then in the my spaceship. Wait, I just don't feel like addressing that. Gears talking to the best rap in Africa. Disrespectful when they scoff and that useless huff and puff. Your niggas trumps, don't move me. I move me, I move this, I move her. Not in the mood to explain this shit. Bullseye. Man, we call it bullseye. Shit, bullseye. Grand-mère, je veux sortir un peu. Et tu comptes aller où? Nulle part, je veux juste marcher un peu. Ok. Ne va pas trop loin. Ok. Et ne reste pas longtemps dehors. Ouais, c'est compris. Always wild and just no outcast, never die. Live young, dream big. The mercy that we try to sink in. Live fast, die young. That shit that we don't care for. Live fast, die young. That shit that we do not care for. Live fast, die young. Walaï, Oba. Oba, tu veux des problèmes? Tu dois arrêter. Mais de quoi est-ce que tu parles? Je te parle de... Ah! Le garçon est là. Tu vois ça? C'est qui cette fille? Tu la verras. Elle est bien pour toi. Et c'est toi qu'elle veut dans ce village. Laisse tomber, mec. Qu'est-ce qu'elle veut dire? S'il te plaît, aussi n'hésite pas à me le dire, ok? Non, mec, ça va. Je connais bien cette fille. Je peux faire l'arrangement. Hé, hey, Oba, vas-y doucement avec ce que tu fumes. Parce que si tu tombes tout de suite, on n'aura pas assez de force pour te soulever. Mec, ce truc ne vaut rien. Comparé à ce que je fumais aux États-Unis, ce truc ne vaut rien. Hé, mon joli garçon est là. Elle est bien pour toi. Oh. Hey. Oh. Mon joli bébé. Hey. Hey. Regarde ça. Mais... Moi, je t'avais dit. Arrête de faire semblant parce que je sais que tu es ça. Si tu balèves. Ah. Oh, tu en veux? Non, ça va. Ça va. Vois. Ça va, j'ai pas envie. Allez, mec, souris un peu, hein? Comment ne peux-tu pas sourire devant une telle belle créature, hein? Ok, ok. Je veux que tu viennes faire tout ça sur moi. Un bisou, un bisou. Non, 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 ça va. Non, ça va, merci. Mais pourquoi tu ne m'attrapes pas? Attrape-la. Non, il doit lui faire un câlin. Attrape-la. Un câlin. Mec, arrête de te comporter de la sorte. Regarde ça, il n'arrive même pas à faire un câlin. Mignon garçon. Ah, la garde, je pense que... T'es, tu te souviens de ce qu'on avait dit, qu'en est-il? Non, non, franchement, je ne m'en souviens pas. Tu ne te souviens pas de ce qu'on avait dit? Et toi, Fanny, tu t'en souviens? Non. Personne ne se souvient de ce qu'on avait dit. On parlait de quelque chose quand tu es venu. Hein? Mais non. Tu as su qu'il plaisante. Elle lui met du rouge à l'air partout. Kémy, vas-y, on se verra plus tard. Vas-y, c'est bon. Tu vois qu'il est un peu timide, donc émule-le un peu, tu vois. C'est bon. Il n'a pas besoin de ça? Oui, c'est ça. Tout le monde en a besoin. Même moi-même, j'en ai besoin. Vu. Oui, vas-y maintenant, oui. On se verra okay, plus tard. Ok, j'ai compris. Tu es un gros héros. Tu es un gros héros. Fais-moi un câlin. Kémy, ça va, tu dois t'en aller. Il dit qu'il te verra plus tard. Assois, pas celui. Mais voyons, qu'est-ce que tu attends? Il dit qu'il te verra plus tard. Qu'est-ce que tu veux? Il t'a dit de t'en aller, va-t'en, vous verrez plus tard. Ok, mon joli bébé. Ouais. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Allez, à bientôt. Joli, oui, ça joli. Va, vas-y. Non, mais cette fille est cinglée. Mais pourquoi tu dis ça? Tu ne vois pas ce qu'elle a? Pourquoi tu fais comme si ça ne te plaît pas? Quoi? Tu aimes ça? C'est plutôt toi qui aimes ça. Oh. Quand elle n'est pas là, tu es comme ça. Il est couché tranquillement, il dort. Mais une fois que tu la vois, alors ça commence. Tu vois, il se lève. Comme il se lève. Il est toujours prêt pour ça. Et il est toujours comme ça, à la recherche de proie, toujours prêt, toujours. Et qu'en est-il de toi? Non, moi je ne suis pas comme toi. Tu sais que je ne viens pas des États-Unis, donc elle ne m'aime pas. Mais et toi alors? Moi je suis inoffensif.
Non, facile. Il ne fait pas peur. Et tu sais, lui, c'est un... c'est un monsieur invisible. Oh, d'accord. Donc, ça veut dire que tu ne l'as pas encore fait. Si, je l'ai déjà fait. Oh, arrête. Tu n'as encore rien fait. Arrête de mentir. Ah ouais. Arrêtez de vous mentir. Je l'ai déjà fait. Ah, je l'ai déjà fait. En fait, il l'a fait un peu. Mais pas en tant que tel. Tu vois. Comment? Tu sais, il l'a fait, mais pas dans la vraie vie. Tu vois de quoi je parle? Il l'a fait, mais okay. C'était pas vraiment réel. Je commence à comprendre. Oui. Ah, ce que tu dis, c'était dans un rêve. Hein? Quoi? C'était dans son rêve. Hein? Quoi? Tu étais en train de rêver. Non, c'est plutôt lui. Ah. C'est plutôt lui, pas moi. Ça tu l'as fait dans ton rêve. C'est de qui on parle ici? N'est-ce pas toi? Hein? C'est bien pas toi moi. Qui étais en train de rêver. Ça, c'est c'était pas moi. C'était donc un rêve. Oui, dans son rêve. Oh, Monique. Quoi de neuf, tu ma chérie? Hé, hey, attends. Laisse-la tranquille. Tu avais une bonne femme ici, tu n'as rien fait. Oh, arrête. Mais je reviens. Tu pars. Oh. Mais où il va? Il est fou amoureux d'elle. Tu auras des problèmes. Vas-y. Toi, dégage. Qu'est-ce que tu regardes? Monique, qu'est-ce qu'il y a? Ne me touche pas. Ça t'arrive souvent? Tu sens mauvais. Qu'est-ce que tu as, ma puce? Que fais-tu avec ces gars-là? Ah, non, ce sont juste tes amis, on passe du temps. Tes amis? Ouais. Ce sont ces bons à rien qui sont tes amis. Waouh, Monique, je ne te croyais pas capable de juger les autres. Que va dire ta grand-mère si elle te voit avec eux? Et qui va le lui dire? Toi? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tant mieux, car tu ne peux pas. J'ai parcouru tout ce chemin pour te faire un coucou et toi, tu te comportes comme si les dieux t'étaient tombés sur la tête. Les dieux? Explique. Non, laisse tomber. A plus. Les dieux sont tombés. Je te l'avais dit. Voilà, je t'ai dit que Chelsea ne pouvait pas gagner Barcelone. C'est parce qu'Obi Mikel n'a pas joué. Oh, arrête. Qu'est-ce qu'Obi Mikel seul pouvait faire? C'est bon. Hey, tu vois ça? J'aime bien ça, toi. J'aime bien ça. Ah, mon frère, cette fille me donne des frissons. Oui, elle est très belle. Mais ne t'inquiète d'accord, pas. D'accord, tout à l'heure. Je vais la voir. Je sais comment faire pour la voir. Tu sais que j'en suis capable. D'accord. Je peux le faire. Ma chérie, viens nous servir à boire. Okay, tu vois que nos bouteilles sont vides. Hey. Arrête de te remuer devant les gens. Ça va, ça va. Tu sais que je n'aime pas bon ça. C'est quoi ce comportement-là, hein? Fais attention. Oba. Hey. Oba. Comment elle va? Ne vous occupez pas d'elle. Elle n'est qu'une villageoise. Tu vois, tu souffres pour rien. Écoute, mon gars, elle n'est qu'une servante, je te dis, mon frère. Dis-moi, je crois que toi et moi, on sait comment faire pour avoir Kimi, n'est-ce pas? Mais oui, bien sûr. Ce n'est pas qu'une simple fille de ménage, mon frère. Quel genre d'homme es-tu? Wow. De qui est-ce que vous êtes en train de parler? De en lui. En tout cas, j'espère bien que ce n'est pas de moi. Écoutez, elle n'arrive même pas à la cheville des filles avec qui je sortais aux États-Unis. Oh, hey. Hey. Ah ouais, et depuis, tu n'arrives pas à voir cette fille? Oui, c'est qu'est-ce vrai. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne peux pas. Alors, vous voulez parier? Ah, si c'est ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Bon. C'est ce que je dis. Ok, on va parier. Combien? Non, 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 non. Aisé, ne parions pas avec l'argent. Si tu réussis à voir la fille en 5 jours, Aisé et moi allons te donner 5 bouteilles de bière. Mais si tu échoues, Oba, c'est toi qui nous achèteras 5 bouteilles chacun. Voilà le pari. 5 par personne. Oui, 5. Ça fera au total 10 bouteilles, ok? Tu feras mieux de prendre Kemi. Tu ne perdras pas avec elle. Ah, mais tu vois, tu vas nous devoir 5 bouteilles. Ok, peu importe, c'est vous qui voyez. Que le jeu commence. Ouais, que le jeu commence. Mon ami, soyons clairs, ok? Tu as dit qu'en Amérique, tu avais des filles plus classe qu'elle. Jure-le. Oui, jure-le. Non, les gars, je ne peux pas jurer. Regarde-le. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est juste un moyen pour confirmer que tu as parié, le petit doigt. Hey. Pourquoi faire? Pour parier. Ton petit doigt. Pour qu'on ait... comment on dit? On doit en être sûr, vous voyez. Oui, la non, conviction. Non, je n'ai pas du tout besoin de vous convaincre, les gars. Ouais. C'est comme tu veux. On fera comme ça. Hé, hey, mon frère, n'oublie pas de payer l'addition pour ton frère Aisé. Oui, t'inquiète pas, je vais payer. Ok, tu es mon frère. Donc, n'oublie pas. Ouais, n'oublie si pas. Tu oublies, ce n'est pas bon. Hein, ok, ma chérie, apporte-nous d'autres bouteilles. C'est mon frère qui paye. Ça fait déjà beaucoup de bouteilles. Mon frère, si tu ne peux pas boire, nous, on va boire. Parce que c'est le boss Hugo qui paye. Alors, buvons.
Bonsoir, ma tante. Tante Isaki, bonsoir. Joli garçon. Attends. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu allais boire? Tu es très lourd, arrête de me fatiguer. Je suis venue me mettre dans les problèmes. Il est vraiment très lourd, ce gars. Arrête-toi. Tu vas tomber. Tiens-toi sur tes jambes. Fais attention. Tu risques de te faire mal. Je ne sais même pas ce que vous gagnez dans l'alcool. Regarde comment tu es devenu. Allez, tiens bon. Joli garçon. Combien? Attends que je mette ceci de côté. Ah, ça fait 2500. C'est pour Madame Shérif. Madame Shérif a donné 2500. 2500. Elle me devait 2000. Oui, c'est ça. Mm-hmm. Je ne peux pas me tromper. Je sais bien calculer. Donc, 4500. Grand-mère? Oui. Mon petit-fils. Comment tu vas? Oui, je vais bien. Merci. Est-ce que tu as mangé? Oui, oui, j'ai mangé. 2000 naira. Ça va? Ouais. En fait, il fait un peu chaud ici. J'aimerais aller dehors prendre un peu d'air. Oui, je sais. Il fait vraiment chaud aujourd'hui. Regarde comment je transpire. J'aimerais bien te donner ce ventilateur. Non, ça va. Mais on n'a pas d'électricité pour le recharger. Mmh. Alors sors un peu. Va dehors, mets-toi sur la dalle et tu bénéficieras d'un bon vent frais. Je dois écrire à Joki Aladjo. Mais où se trouve? Ah, voilà. Aladjo paye vraiment ses dettes. Elle est bien. Attends que je range cet argent. Salut. Que fais-tu là? Tu veux me créer des problèmes? S'il te plaît, va-t'en, va-t'en. Oh, j'ai cru que tu étais seule à la maison. Kimi et ma tante pourraient venir ici. Va-t'en, je t'en prie. Hey, je suis venue m'excuser pour ce qui s'est passé la dernière fois. Excuse acceptée. Va-t'en maintenant. Où est-ce que tu vas comme ça? Ouais, je vais à la ferme. Ok, je viens avec toi. Non. C'est impossible. Je ne veux pas d'histoire, s'il te plaît. Non. Ni ta tante, ni Kimi ne sera à la maison maintenant et j'ai vraiment besoin de te parler. Alors, je viens avec toi. Ok, d'accord, j'ai compris. Mais on ne doit pas nous voir ensemble. Ok. Dépêche-toi. J'arrive. Alani ne m'a pas encore payé ce qu'elle me doit. Et cela force mes calculs. 200, 500, 700, 300, 1000 naira. On dirait que je me suis trompée. Ah, ok, c'est ça. Alors, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... Grand-mère? 17... Oh, bah, attends un peu. 17, 18, 19, 20... Ah! J'attends qu'Alani paye ce qu'elle me doit pour que mes calculs soient parfaits. Oui, Oba, dis-moi.
Qu'est-ce qu'il y a? Grand-mère, je dois te parler. Qu'y a-t-il? J'ai besoin d'argent. L'argent? Ouais. Qu'as-tu fait de l'argent que je t'ai donné la dernière fois? 5 000, ce n'est pas l'argent. Quoi? On parle de la même somme? Tu es en train de me dire que 5 000 naira n'est pas l'argent? Tu ne sais pas que cette somme représente le capital de certains commerces? C'est bien pour toi. Qu'est-ce que tu as fait avec l'argent que je t'ai donné? Certains trucs. Comme? Ah, voyons, grand-mère. Ok. Sache que moi, je n'ai pas d'argent à te donner. L'argent que je t'ai donné la dernière fois, tu devais l'utiliser pendant tout un mois. Arrête de plaisanter, grand-mère. Obaloloua. Obaloloua, fais attention. Fais attention, est-ce que tu m'entends? Fais attention à tes mots. Est-ce que tu as compris? C'est quoi ton problème? Ah! Je ne veux plus t'entendre me demander de l'argent. On parle de 5 000 naira. Tu n'as aucune dépense à faire. Tu ne nourris aucune famille. Tu n'achètes pas la nourriture. Qu'est-ce que tu as bien pu acheter? Ah! Ok, grand-mère, n'en parlons plus, ça va. Allez, dégage! Ah! Comment oses-tu encore me demander de l'argent? Je regrette de n'avoir pas apporté mon cahier et mon stylo. Et pourquoi? Pour écrire les poèmes qui me viennent en tête. Tu écris? Oui, j'écris souvent. Pourquoi? J'aimerais lire ce que tu as écrit. Ah, je n'ai rien apporté. Et d'ailleurs, cela fait très longtemps que je n'ai pas écrit. Pourquoi pas? Si je savais écrire, j'allais écrire tout ce qui me passait par la tête. Tu ne sais pas écrire? Non, pas bien. Tu parles très bien pourtant. C'est parce que j'aime lire et je regarde beaucoup la télé. J'ai l'habitude d'écouter la radio et d'imiter les animateurs. Et quel est le genre de livre que tu lis? Je lis tout, mais le plus souvent les journaux. Et la nuit, Alake me donne parfois des journaux pour que je les lise. C'est qui Alake? Alake, le vendeur. Tu sais, je peux t'apprendre à écrire, si tu veux. Vraiment? Oui. Ah oui? C'est impossible. Parce qu'on ne doit pas me voir avec toi. Ah, voyons, laisse tomber, on trouvera un moyen de le faire. T'inquiète pas. C'est moi. Tu m'as effrayée. Je suis désolée. Est-ce que tu me cherchais? Non. En fait, je viens ici pour suivre le journal. Comme ma tante et Kemi ne sont pas là, je profite. Oh, donc, il n'y a personne à la maison? Non. Alors, et si on allait s'amuser un peu, toi et moi? Hein? Écrire. On va écrire. J'aimerais bien. Ah. Mais... elles me tueront si elles me voient avec toi. Oh, voyons, bébé, arrête de dire cela tout le temps. Allons-y. Où ça? Sur la dalle, tu vois. C'est sombre et calme. Personne ne nous verra. Je n'en suis pas si sûre. Allez, bébé, s'il te plaît. Viens, suis-moi. Je vais te lire un poème, je te le promets. Allez. Ok. Allez, viens, bébé. Mais qu'est-ce qu'on fait ici? Allez, bébé, laisse-toi faire. Stop! J'ai cru que tu venais me lire un poème. Bien sûr que je vais te lire un poème, mais embrasse-moi avant. T'embrasser? Non! C'est quoi ton problème? Ce n'est pas aussi compliqué que ça. Quoi? Allez. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire, nom de Dieu? Tu m'as trompé! Hein? Pourquoi tu te comportes comme une enfant? Tu savais ce qu'on venait faire? Passe une bonne nuit. Fils, stupide! Pas grave.
Boniche. Quoi de neuf, mec? Dis-moi, tu en es où avec la fille? Oh, mais calme-toi, ok? Ça ne fait que deux jours, alors calme-toi un peu. Hey, je vais la voir, donc soyez patient. Hey, t'as échoué, mec. Qu'est-ce qu'il raconte? Échoué. Nous t'avons donné cinq jours et deux jours sont déjà passés. Écoute, mec, je sens que tu as déjà perdu. Oui, nous aurons cinq bouteilles chacun. Ok, c'est ce qu'on verra. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce que vous faites pour vous divertir dans ce village? Parce que moi, je m'ennuie, là. Tu t'ennuies? Tu veux vraiment te divertir? Ok, ouais. Regarde là-bas, il y a une église. Va prier, ouais, la prière va te divertir. Ah, arrête ça. Cinq, cinq chacun. Les gars, allez les jouer. En six. Non, non, attends, il attends, attends. Ton tour. Attends. J'ai joué. Joue, mec. C'est à ton tour. À toi de jouer. Donne-moi ce que tu as. Allez. Attends. Mais non, non, de Dieu. Je t'ai dit que je suis le plus fort. C'est moi, Eze, Eze le maître, alias PM qui veut dire puissant mec. Non, non, c'est de la tricherie, je ne peux pas accepter ça. Eh non. Bah, donne-moi ce que tu me dois. Yeah, je allez, donne. Je n'ai pas envie de trop parler. Dépêche-toi. Enlève ta montre. Dépêche-toi. Wow, quelle montre. C'est une montre de qualité. Fais-moi voir. Regarde ça. Allez. Wow. Tu sais quoi, donne-moi une autre chance pour que je reprenne ma montre. De quelle chance tu parles? Donne-moi une autre chance. Écoute, mec, on t'a déjà donné une chance et t'as échoué. Non, non, je ne suis pas d'accord. Le jeu n'avait pas encore réellement t'as commencé. T'as échoué, alors mec. Moi, je veux une t'as autre échoué. Chance pour récupérer ma montre, au moins. Tu veux une chance pour quoi faire? J'ai déjà gagné. Ah ouais, c'est comme ça vous voulez la jouer? Tu as mon argent et tu me racontes quoi? De quel argent tu parles? Je veux mon argent. De quoi tu parles? Alors donne-moi une autre chance. Frère, c'est ça le jeu. Le jeu, espèce de taré. C'est fini. Ah, oui, je suis un taré. C'est pas grave, mais j'ai ma montre. J'ai mis cet argent. C'est comme ça que je suis rentrée? Non. Je suis foutue. Où est-ce que j'ai mis cet argent? Je me rappelle l'avoir laissé ici. Ah, voici mon portefeuille. Où est-ce que j'ai mis cet argent? Ah! Et... Je suis foutue! Je ne comprends plus rien. Je suis foutu. Venez, je suis foutu. Oh, venez m'aider. J'ai perdu tout mon argent. Oh, je suis foutu. Maman, là, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il m'a volé. Oh, il a pris tout mon argent. Mais de qui tu parles? Il a pris tout mon argent. Oh, bah, le loup a pris tout mon argent. Il est venu me prendre tout ce que j'avais. C'est combien? 22 000 naira. Il a volé mes 22 000. Où est-ce que tu les avais mis? C'était où, maman? Je les ai mis où j'ai l'habitude de les mettre. Oh, je suis foutue. Ça va, maman, calme-toi. Qu'est-ce que je lui ai fait?
Qu'est-ce que je lui ai fait? Maman, calme-toi. Qu'il me traite de la sorte. Maman, là, calme-toi. Est-ce que je mérite? Non, non. Allez. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce qu'il y a? Il a fumé un peu. Oba, Oba, lève-toi, s'il te plaît. Mais qu'est-ce qu'il a eu? Je ne sais pas. Mon petit-fils, il a fumé de l'herbe. Oui, c'est ça, ne dis plus rien. C'est pas possible. Vous allez me donner, maman. Bande de fourrier. Oba, lève-toi. Est-ce qu'il respire? Oui, maman, ne t'inquiète pas, il respire. Il respire. Maman, il respire. Attends que j'écoute son cœur pour voir. Ah oui, oui. Il respire. Est-ce qu'il respire? Amenons-le dans sa chambre. Aide-moi, maman. Qui est là? Bonsoir, maman. Bonsoir, ma fille. Il continue de vomir? Non, il ne vomit plus. C'est juste qu'il a de la fièvre. Maman, laisse-moi faire. Merci. Je vais t'aider. Va te reposer. Ah, ce n'est pas facile. Hey, est-ce que ta tante ne va pas te chercher? Non, maman. Elle est allée au marché de nuit et Kimi n'est pas à la maison. Merci. Mais je ne veux pas que tu aies des ennuis à cause de ça. T'en fais pas. Va te reposer, hein? C'est compris. Merci. Monique, au cas où ça devient grave, n'hésite pas à m'appeler. D'accord. D'accord? C'est compris. Bonne nuit, maman. Ok, bonne nuit à toi aussi. Merci, Monique. Je t'en prie, maman. Merci. J'ai l'impression que ma tête va exploser. Où suis-je? Dans ta chambre. Hier, j'ai vécu la pire journée de ma vie. En fait, j'ai cru que j'allais mourir. Comment peux-tu être si irresponsable? Pas maintenant, Monique. Monique. Ah, Monique. S'il te plaît, pas maintenant. Tu mérites pire pour ce que tu as fait subir à la vieille hier nuit. Hein? Pour
pourquoi tu vas voler son argent? J'aurais souhaité que ton crâne se divise en deux. Hey. Stupide que tu sois. Impoli. Hey. Oh. Tu dois avoir très faim. Ouais. N'est-ce pas? Si ça ne suffit pas, je veux en rajouter. Tu en veux encore plus? Oui, grand-mère, merci. Ok, encore. Tu dois avoir très faim. Je vais à la cuisine. Mange. Ok? Oui, grand-mère. J'arrive tout de suite. Viens, s'il te plaît, mon petit-fils. Assieds-toi. Non, là. Ça va mieux? Ouais. Tu es vraiment sûr que ça va aujourd'hui? Oui, ça va, grand-mère, super. Tu n'as pas mal à la tête? Tu n'as pas non, ça mal va. Au ventre? Tout va bien. Je pète la forme, grand-mère. Oui, ça va. Tu n'as pas de douleur sur le corps? Non, je vais bien, grand-mère. Ça va. Tu es sûr? Ouais. Ok, c'est bien. C'est même très bien. Je suis contente de l'entendre. Ok. Mon fils, s'il te plaît, aide-moi à déplacer cette table. Grand-mère, s'il te plaît, suis fatigué. Mon fils, si tu finis, tu m'aides à étaler cette natte. Allez, fais vite, s'il te plaît. Ok. Allez.
la table au mur. Oui, au mur. Mon petit-fils. Maintenant, viens étaler la natte. Oui. Tire-la bien vers le bas. Oui. Vers le bas. Dépêche-toi un peu. Étale-la bien. Et là aussi. Il faut bien tirer ce côté là-bas. S'il te plaît. Mon petit-fils. Le fils de ma fille. Maintenant, viens bien étaler ce côté. Voilà, ça va comme ça. Ça va? Alani! Alanio! Maman Oula. Allez, viens. Bienvenue. Faites-le coucher sur la natte. Attrapez-le. Ah. Arrêtez! Arrêtez! Grand-mère! Grand-mère! Allez, et attrapez-le bien. Couche-toi. Ouais. Ah! Reste. Ah! Grand-mère! Grand-mère! Ah! Ah! Grand-mère! Grand-mère, s'il te plaît. Fait bon d'empêcher sa grand-mère, mère grand-mère! Dormir. Grand-mère, qu'est-ce que j'ai fait? Non, tu n'as rien fait. Grand-mère, s'il te plaît, fais pas ça. Loulou, je suis désolé. Grand-mère. Je pense que tu es allé trop grand-mère, loin. S'il te plaît. Grand-mère, pardon. Tu as volé mon argent. La seule chose que tu as jugé bon de faire, c'est de le dépenser dans la drogue et les paris. Où tu as appris ce genre de choses? Grand-mère, s'il te plaît. Grand-mère. Non, non, non. Grand-mère, je ne vais plus refaire ça. Plus jamais, je ne vais plus boire l'alcool. Je suis désolé. Je vais te rembourser ton argent. Je te le promets, grand-mère, s'il te plaît. J'ai même appris qu'on l'appelle... Grand-mère. Le roi milliardaire. Grand-mère, pardon. Milliardaire voleur. Milliardaire voleur. Non, c'est avec non, ton argent non, que tu non, fais ça. Non, grand-mère. Espèce de petit voleur. Grand-mère, s'il te plaît, grand-mère. Qui t'a appris ça? Qui te l'a appris, je l'ai poli? C'est comme ça que tu veux? Grand-mère, désolé. Grand-mère. Ne t'en fais pas. Je vais t'enlever. Grand-mère, grand-mère, s'il te plaît. De voler. Je ne vais plus recommencer. Il ne faut rien. Grand-mère, c'est comme s'il ça te que plaît. Tu me remercies. Grand-mère. Ne le lâche pas. Attrapez-le bien. Grand-mère, je suis désolé. Je suis désolé. Je t'en prie. Grand-mère. Prochainement. Tu ne vas plus me voler encore. Voleur. Tu ne me toucheras plus. Grand-mère. Mon s'il argent. Te plaît. Grand-mère. Voleur. Grand-mère, je t'en prie. Tiens. Grand-mère. Grand-mère, s'il te plaît. Je t'en prie. Pourquoi tu prends mon argent? Sans mon consentement. Tu vas comprendre que... Grand-mère, pardon. Quel pardon? Pardon, s'il te plaît, grand-mère. Tu demandes pardon? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, grand-mère. Je t'en prie. Grand-mère, je suis désolé, je vais te rembourser tout. Bienvenue, grand-mère. Merci, mon petit-fils. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Mon petit-fils, est-ce que tu continues d'appliquer cette pommade contre la douleur que je t'ai donnée? Oui, je l'applique. Donc tu ne ressens plus de douleur, n'est-ce pas? Est-ce que tu veux encore me bastonner? Hein? Te bastonner?
Oh. Non. Non, mon petit-fils. Je ne veux pas te bastonner. N'inquiète pas. Je t'ai trouvé du boulot. Tu m'as trouvé un job? Vraiment? Eh bien, ce n'est pas vraiment un job. Parce que le salaire ne sera pas élevé. Ah. Mais sache que ce sera assez pour couvrir toutes tes dépenses. Ton transport, ton déjeuner, et tu auras un peu d'argent de poche. Hein? Ok. Et c'est un bon job. Tu feras de la soudure quelque part au centre-ville. Soudure? Mais grand-mère, je ne connais rien de la soudure. Tu vas apprendre. Rappelle-toi que c'est l'oisiveté qui t'a mis dans toutes ces bêtises. Tu commences lundi. Grand-mère. Mon fils. Est-ce que tu peux appeler ma mère pour moi? Parce qu'elle ne décroche plus mes appels et... J'ai besoin de mon téléphone et mon ordinateur. Elle t'appellera quand elle sera prête. Oh, Monique! Vas-y doucement. D'abord, pose cette cuvette. Tu ne fais que m'éviter. J'étais occupée. Ok. Trop occupée pour aller regarder ton précieux journal. Oui. Je dois partir. Oh! Il faut qu'on parle, s'il te plaît. C'est important. On n'a rien à se dire, tu comprends? Ok, si je venais chez toi à la maison chaque jour. Surtout quand ta tante est là. Et lui dire exactement qui je suis venu voir. Tu ne feras pas ça. Cela dépendra de toi. Tu vas me donner une seconde chance pour que je m'explique ou pas? Ok. Attends-moi vers la ferme. Mais tu ne m'as pas dit à quelle heure? Dans la soirée. Et je m'appelle Monique, non Moniki. Ça fait longtemps qu'on marche. Où est-ce qu'on va au juste? Dans un endroit plus discret. Désolée. Waouh, c'est loin. C'est un très bel endroit. Très bon pour se détendre. Et pour les pique-niques. Pique-nique? Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Pique-nique. Ah, c'est lorsque tu sors un peu seul, oh, avec des amis et que vous avez de la nourriture ou des boissons et que vous venez dans un endroit comme celui-ci. Oh. Je viens ici pour réfléchir, pour lire et pour être seule. Alors, parle. Je t'écoute. Ne sois pas comme ça. Je ne peux pas rester dehors longtemps. Monique, je comprends ta colère. Je suis plutôt déçue, tu sais. Je suis aussi déçue de moi-même. Voler déjà, ce n'est pas bien. Et tu y ajoutes tes paris? Et la drogue? Où donc as-tu pris ce mauvais comportement, hein? C'est une longue histoire. Je t'écoute. Quoi?
Tu as pris un couteau contre ta maman? Je ne savais vraiment pas ce que je faisais. C'est ainsi qu'ils m'ont conduit dans le premier centre de redressement. Mais les choses ne s'arrangeaient pas parce que... Là-bas, j'ai rencontré un ami qui a découvert comment avoir de la drogue. Alors, ils m'ont transporté dans un autre centre, le plus cher. Mon superviseur a certifié que j'étais clean. Et après que je sois sorti, 2 jours après, j'ai appelé mon fournisseur. Je lui ai dit que je voulais de la cocaïne. Et ma mère l'a appris et m'a tout arraché. Ma carte crédit, les clés de ma voiture, mon téléphone. J'étais tout furieux. Et ça, c'est la raison pour laquelle tu as pris un couteau contre ta maman? Ouais. Mais tu sais, Monique, j'aurais bien voulu changer la situation. Et que s'est-il passé après? Eh bien, je suis retourné au centre de redressement. Mais mes parents ne pouvaient pas supporter la facture parce que c'était vraiment cher. Mes parents m'ont dit que le docteur pensait que... serait bon que je prenne des vacances. Tu vois? Et c'est là qu'ils m'ont dit que j'irais au Kenya. Mais avant tout, fallait qu'on fasse un détour au Nigeria voir ma grand-mère. C'est ce qu'on m'a dit. Ils t'ont bien eu. Mais j'ai réalisé que je devais avoir un bon comportement et demeurer un bon garçon pour mes parents. Qu'est-ce qui t'a motivé? J'ai réalisé que j'ai été stupide. Moi, ce que je voulais, c'était seulement qu'ils m'écoutent. Tu vois? Et c'est en les tuant que tu réussiras? Je ne voulais pas faire ça. Je ne voulais tuer personne. Mais le problème avec l'addiction, c'est que... Lorsque tu essaies une fois, tu as toujours envie de recommencer. Encore et encore. Ouais. Personne n'aurait cru que je serais ici en train de culpabiliser. C'est vraiment bizarre de voir que tu as beaucoup d'opportunités dans ta vie, avec une famille adorable, et que tu veux tout gâcher comme ça. Je sais que j'ai déconné. J'ai arrêté avec la drogue et l'alcool. Je te le promets. Tu devrais plutôt faire cette promesse à toi-même et à ta famille. Et à toi aussi, Monique. Grand-mère et toi avaient été le centre de ce changement. Même si tu m'as maltraité parfois. Je savais que tu trouverais ça drôle. J'aime quand tu me regardes comme ça. C'est tellement romantique. Oh, arrête! Sois un peu sérieux. Ah oui, attends. Pendant qu'on y est, je t'ai écrit un poème. Oh. Attends que je te le montre. Ouais, celui-là. Ma paysanne. Je me suis trouvé une paysanne. Elle est belle et sa beauté inspire chacune de mes rimes. Ah, du haut de ses 21 ans, comment tu connais mon âge? Elle est telle une lumière. Elle est si charmante et semble avoir une santé de fer. Et ça. Sa vie. Et sa vie ressemble à une fleur qui a besoin d'être arrosée. Ma paysanne est si adorable, si jeune et insouciante. J'en ai connu plusieurs, mais pas aussi adorable qu'elle l'est. Une femme, désolée. Peu attirée. Oh, une femme peu attirée par... excuse-moi.
les vanités. Peu attiré par les vanités. Pas grave. De la chaleur. Oh, de la chaleur dans son regard et aussi dans son sourire, ce qui traduit toute sa splendeur. Mais c'est quoi cette mine que tu fais? Est-ce que ça veut dire que tu as aimé? J'ai adoré. Ouais, je suis heureux. S'il te plaît, apprends-moi à écrire. Ah, oui, bien sûr, tu n'as pas besoin de me le redemander. Spécialement pour toi, je le ferai. Mais avant, j'ai une question à te poser. Oui. Ah, si tu pouvais retourner à l'école, qu'est-ce que tu étudierais? La communication. Ok, d'accord, je vois. Pas mal. C'est un bon choix. Eh bien, alors je pense qu'on peut commencer. Et tu parles tellement bien que cette filière-là tira, je suis sûr. Alors, on va commencer par le B.A.B.A. Tu sais, ce que ma grand-mère m'a fait la dernière fois m'a fait réfléchir. Réfléchir à quoi? À comment elle peut être dure. Elle m'a dit quelque chose du genre « L'oisiveté est la mère de tous les vices. » Et là, elle m'a trouvé un job. Eh bien, je pense qu'elle n'a pas tort et que c'est une très bonne idée aussi. Non, voyons Monique, ne me dis pas que tu la soutiens dans cette idée. Je m'appelle Monique. Ah, roi milliardaire, mon frère. Ah, on dirait que tu es fort. Tu es seul ici avec elle. Hein? J'ai l'impression que tu as finalement gagné le pari. Izzy, arrête. Si elle est ici, c'est que tu as gagné le pari. Je ne m'appelle pas Izzy. Mon nom, c'est Izzy. Tu as compris? C'est Izzy. On n'avait pas dit que si tu réussissais à... S'il te plaît, arrête. Tu gagnais le pari. Ou alors, tu ne veux plus boire la bière. Dis-moi un truc. Cette fille-là, Kenny, j'ai appris que tu l'as... Ah, roi milliardaire, tu es trop fort. Mes félicitations. Toi là-bas, ne nous fais pas perdre, ok? Parce qu'on n'a pas d'argent pour lui acheter de la bière. Tu as compris? Alors, Oba, tu as parié sur moi. Et tu sors avec Kenny. Moniki, ne crois pas à ce qu'il vient de raconter. Laisse-moi t'expliquer. Moniki, s'il te plaît. Moniki. Moniki. Moniki, écoute-moi, s'il te plaît. Laisse-moi passer. Ok. Moniki, tu vois tout le temps. C'est moi qui dois te suivre. C'est moi qui te demande pardon. Ou c'est moi qui dois m'expliquer. Oba, est-ce qu'il mentait? Non, mais... je n'étais pas moi-même. Moniki, tu me connais. Tu sais que je ne suis pas ce genre de personne. Pendant tout ce temps, tu couchais avec Kimi. Ce n'est arrivé que deux fois et je n'étais pas moi-même. Je ne te crois pas. Je ne pourrais jamais te blesser. Moniki, on a passé plus d'une heure dans ce magnifique endroit. Je n'ai jamais essayé de faire quelque chose de stupide. Oui, je suis attiré par toi. J'ai même voulu t'embrasser. Mais je te respecte beaucoup trop. Oba, laisse-moi passer. Moniki, s'il te plaît, attends. Ça a été un stupide pari qu'on a fait il y a deux semaines de cela. C'est terminé maintenant. Je ne te ferai jamais mal. Je te crois. Maintenant, laisse-moi Moniki. Passer. Toi, Kimi. Ah. Thank you.
Exaspération. Exaspération. Virtuelle. Une autobiographie. Mégalomanie. Conversation. Monique. Monique. Tu es seule? Oui. Comment tu vas? Bien. Tu m'as manqué. Kimi est enceinte. Quoi? Wow, wow, wow. Non, non, écoute. Ok. Tu penses que... Ok, Monique. Même si pendant ce temps j'étais... Non. Chaque fois que nous l'avons fait, je me suis protégé. Ce n'est pas moi le responsable. Je sais. Le docteur dit qu'elle est enceinte de 4 mois. Donc tu ne peux pas être responsable. Wow. Monique, je suis vraiment désolé de t'avoir mis dans tout ceci. Et le boulot? Ouais, ça va. C'est un peu stressant. Mais je ne me plains pas. Tu m'as manqué. Toi encore plus, bébé. Tiens. Je voulais te donner ceci, mais je n'ai pas eu le courage de le faire. Pourquoi faire? C'est pour que tu partes au cybercafé pour envoyer des messages à ta maman. Monique, tu es gentille, mais je ne peux pas prendre ça. Mais tu en as besoin. Ne te soucie pas trop pour moi, tu as compris? Tout ce que j'ai à faire, c'est rembourser l'argent de ma grand-mère. M'occuper aussi de toi, et je vais le faire. Merci, c'est gentil. Merci. Ta grand-mère est là. Ok, je dois y aller. Ah, quand est-ce qu'on pourra se revoir, s'il te plaît? Demain soir. On se voit demain alors. Bye.
Calme-toi. Pourquoi t'es si heureuse? Ta grand-mère veut te voir. Maintenant. Ok, vas-y, je te rejoins. Non, elle veut que je vienne avec toi maintenant. Waouh, ça doit être sérieux. Dépêche-toi. Ouais, j'arrive. Maman? Maman? Viens là, mon bébé. Oh, maman! Maman! Comme je suis contente de te revoir, mon bébé. Oh, regarde comment tu as changé. Oui, maman, c'est dû à toutes les activités physiques que je fais et plein d'autres choses. Mon bébé. Mais que fais-tu ici? On en parlera plus tard. Mais Monique, madame, merci infiniment. Merci. Je vais discuter un peu avec lui, madame, ok? Oui, madame, d'accord. Merci. Maman Ola. Mon chéri. Oui, maman. Maman, merci beaucoup pour tout. Que fais-tu? C'est aussi mon enfant. N'est-ce pas, Obaloloa? Dis juste un mot et je resterai ici. Je ne peux pas faire ça. Je veux être avec toi. Moi aussi, je veux être avec toi. Mais je ne peux pas te demander de rester. Ta vie n'est pas ici. Il ne s'agit pas de ce que toi et moi voulons, mais il s'agit de ce qui est mieux pour toi. Et je veux que tu promettes une chose. Tout ce que tu voudras. Promets-moi que tu ne toucheras plus à la drogue et aussi à l'alcool. Je te le promets. Je ne toucherai plus jamais à ces choses-là, je te le promets. Autre chose. Je t'écoute, bébé. Puis-je avoir juste une toute petite partie du cahier dans lequel tu écris tes poèmes? Non, je ne veux pas. Juste non, une petite bébé, partie, c'est pas possible. Te plaît. Non, bébé. Tu seras la première à le lire quand ça sera terminé. D'accord. Je t'aime, Oba. Je t'aime aussi, bébé. Embrasse-moi. J'en ai sûr. Qu'est-ce que tu fais? Je veux essayer. Non! Monique, on avait dit qu'on allait attendre. Et je veux que notre première fois soit spéciale. Mais c'est déjà spécial. C'est le plus beau cadeau que je puisse t'offrir. En es-tu sûre? Je suis sûre. Arrête. Je ne te ferai pas mal. Non. Tu ne t'es pas protégée. N'inquiète pas pour ça. C'est la voix de Monique.
c'est quoi tout ça? Elle passe tout son temps qu'à battre cette fille. C'est quoi tout ça? Qu'est-ce qui ne va pas avec cette femme? Mais maman, qu'est-ce qui se passe? C'est la tante de Kémy. Ah, tout le temps. Elle est tout le temps en train de la battre. Je dois toujours aller la secourir quand cela arrive. Qu'a-t-elle fait? Et toi, dis-nous, où étais-tu la nuit dernière? Réponds. Tu vas parler ou pas? Elle était avec moi, grand-mère. Hein? Vraiment? Maman, est-ce que je peux te parler? Franchement. Viens, s'il te plaît. Va écouter ce qu'il a à te dire, ma fille. Monique, ce n'est pas bien. Oba! 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 Tiati, tu vas bien? Oui. Ok, calme-toi. Respire un bon coup. La mère de Kémy vient de me dire que ta maman dit que je peux vous rejoindre. Et aussi, ta mère accepte de m'accorder une bourse d'études. Je sais. Je vais aller à l'école. Je sais. C'est moi qui lui ai demandé de faire ça. Vraiment? Ça va. Ah, doucement. Tu vas me faire tomber. Ça va. Merci. Ok, ça va. Calme-toi. Calme-toi. Merci. Allez, ressaisis-toi, bébé. Ça va. Merci beaucoup. Pas besoin de me remercier. Oui, bébé, ne pleure plus, s'il te plaît. J'ai tellement envie d'aller à l'école. Oui, tu vas aller à l'école. Je veux aller à l'école. Oui, bébé, ne pleure plus, s'il te plaît. Calme-toi. Ça va. Du calme. Alors, maman Oula, je crois qu'on va partir. Vous allez vraiment me manquer. Tu vas nous manquer aussi, tu vas beaucoup manquer à Oba. On lui dit au revoir? Oui, oui. Passe lui dire au revoir. Je ne sais même pas si elle est là. Ok, d'accord, allons voir. Si elle n'est pas là, tu lui diras que je suis partie. Ok, d'accord, c'est compris. C'est fait. Calme-toi. Calme-toi, on se reverra. Je te promets de t'appeler tous les jours, ne t'inquiète pas. Tu promets? Oui, je t'aime. Oba Lolowa, on doit y aller. Oui, maman. Au revoir. Je t'aime, ma paysanne. Oba. Je me suis trouvée une paysanne. Elle est belle et sa beauté inspire chacune de mes rimes. Du haut de ses 21 ans, elle est telle une lumière. Elle est si charmante et semble avoir une santé de fer. Ma paysanne est si adorable, jeune et insouciante. Une femme peu attirée par tout ce qui est vanité. De la chaleur dans son regard et dans son sourire. Ce qui traduit toute sa splendeur. Monique, est-ce que tu as vu ton colis? Oh oui, madame, je l'ai vu.